moi, ça dépasse largement mes attentes. On le sait, pour y avoir... À chaque fois qu'on développe l'intersectorialité, il y a un risque que l'on prend. Tout était bien rodé, mais encore, il faut que la sauce prenne ensemble. Puis ce qui a été fantastique, je pense qu'il y a eu énormément de discussions entre les gens. Puis plusieurs m'ont dit que ça a développé déjà des possibilités d'interaction avec d'autres chercheurs. C'est que pour nous, mission accomplie. Donc, clairement, le thème est porteur. Clairement, il y a une grande communauté de chercheurs à l'Université de Montréal qui s'intéresse à vouloir développer la sphère rythme dans un contexte intersectoriel. Donc, il reste juste à préparer les autres événements futurs. On avait décidé, le vice-rectorat, dans son laboratoire d'innovation, voulait justement voir la réponse de l'environnement au développement de l'intersectorialité. On savait que pour certaines questions de recherche, il y a juste une approche axée sur l'intersectorialité qui va permettre, en fait, le décollement ou les réponses à plusieurs questions. Donc, pour le rythme, clairement, il y a une possibilité de développer ensemble vers des nouvelles questions de recherche.